Monsieur Delbout, vous êtes un passionné de bégonia. Comment faut-il s'y prendre pour faire la culture du bégonia? Est-ce que c'est une culture difficile ou est-ce une culture facile? Je considère que la culture du bégonia n'est pas difficile, à condition de respecter un certain nombre de règles élémentaires, et pour autant que l'on parte de tubercules, ce qui est à la portée de tout le monde. Tous les magasins, grainetiers, toutes les grandes surfaces offrent à cette saison des tubercules de bégonia tubéreux. Ces tubercules se présentent comme ceci. Ceci, c'est un beau spécimen de grand diamètre qui a plusieurs années. Il est caractérisé par un fond bombé et un sommet concave dans lequel apparaissent, vous le voyez, les yeux qui constitueront après développement les futures tiges de la plante. C'est ce tubercule que l'on va placer préalablement en terre aux environs du 15 mars jusqu'au 15 avril, de manière à mettre en végétation ces plantes avant, bien avant la fin des gelées. Alors nous allons faire ensemble cette opération de mise en végétation. Vous voyez, ce n'est aucun problème. Je visse les tubercules dans un substrat qui est ici un substrat à base de tourbe. Et nous allons bientôt avoir terminé. C'est une tourbe qu'on peut se procurer dans le commerce. C'est tout à fait commercial. Parfois, on se pose des problèmes pour voir si on l'a mis dans le bon sens. Après 25 années de culture du bégonia, j'avoue parfois être néanmoins perplexe. Et comme tout le monde, j'ai un certain nombre de tubercules qui poussent à l'envers, mais ce n'est pas bien grave. On les retourne, on va voir. Tiens, celui-là ne pousse pas. On va voir et puis on le retourne le cas échéant. Ceci est la première opération. À partir de ceci, les opinions divergent dans la littérature horticole. Les uns disent ne pas enterrer le haut des tubercules, les autres disent enterrer-les. C'est une erreur de ne pas les enterrer et je crois que couvrir les tubercules par le même substrat que celui qu'il y a dans le fond de la caissette est la seule manière raisonnable d'opérer. C'est ce que nous allons faire et puis je vous expliquerai pourquoi. Donc nous répandons le même substrat à raison d'un centimètre par-dessus le sommet des tubercules. Pourquoi faut-il ainsi procéder? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'humidité va être ainsi maintenue sur la peau des tubercules et va favoriser le développement des yeux. Deuxième raison, à la base de ces yeux vont pousser des racines, racines vigoureuses qui vont contribuer à la prospérité de la plante dans la suite de la culture. À ce stade, on arrose et la caissette peut être placée dans n'importe quel endroit où la température est tempérée, condition que l'on arrose, et on peut s'aider dans les arrosages en recouvrant la caissette d'un filet en plastique ou d'un morceau de film en plastique avec quelques trous, pour ne pas avoir 100% d'humidité relative. On est ainsi tranquille pendant 2 à 3 semaines, au bout desquelles on voit apparaître des jets tels que celui-ci qui est un peu précoce. Et à ce moment-là, la plante nécessite absolument d'être mise à la lumière pendant les belles heures de la journée, et ce, à l'abri de la gelée. 5 à 6 semaines plus tard, après la mise en végétation, la caissette se présente telle que celle-ci, et on notera que les plantes commencent à s'encombrer les unes les autres, et ce, malgré que nous avions pris la précaution de les espacer pas mal. On ne peut pas poursuivre dans cette circonstance parce que les plantes vont se mettre à filer et n'auront plus aucune valeur marchande. Je vous ferai remarquer cependant que telles qu'elles sont là, si on les expose à l'air un peu vif, c'est-à-dire en dehors de la serre ou en dehors de la couche, ou simplement en découvrant la couche pendant la journée, alors qu'ils ne gèlent pas, les plantes vont entamer un processus de durcissement. Les feuilles, les pourtours des feuilles et les tiges vont rougir légèrement. Ce n'est pas une maladie, mais c'est le même phénomène que quand nous, on va se dorer sur une plage au soleil. Ces plantes réagissent à la lumière. À partir de ceci, maintenant, on peut réaliser soit des plates-bandes ou soit poursuivre la culture en pot. Nous allons illustrer ici la culture en pot. Pour avoir de belles plantes en pot, il faut leur faire subir un empotage intermédiaire tel que celui-ci.
Nous utilisons un pot en plastique ici de 10 cm de diamètre et l'opération est très simple. Consiste à extraire la plante, un peu de substrat, forcer si nécessaire le tubercule dans le pot et introduire du terreau. Voilà, la plante va ainsi s'individualiser, va développer des racines et va être plus harmonieuse et va devenir un exemplaire isolé, qui est très différent d'une plante qui est cultivée en masse dans une plate-bande. Alors ici, voilà un bel exemplaire. Regardez comme il est bien enraciné après 5 à 6 semaines de culture, mais nous avons deux tiges. Et personnellement, je suis d'avis de faire la culture du bégonia tubéreux en pot sous une seule tige. Ça permet d'avoir des plantes très vigoureuses, bien ramifiées, et les tiges, notamment, ne s'encombrent pas mutuellement, et les fleurs non plus. Alors que faire dans un cas pareil? Eh bien, une chose qui est généralement méconnue du public, c'est que l'on peut faire des boutures. Et ce sont des boutures de printemps et qui se font facilement. Nous allons faire donc une bouture et enlever une des deux tiges. Cette opération se fait délicatement, tout comme quand on veut arracher la dent d'un enfant. Voilà. Il reste une plante. Je l'empote. Il me reste une bouture que je vais placer dans un pot plutôt petit, avec soit le même substrat ou soit simplement un mélange moitié-moitié de tourbe et de sable fin, de rivière toujours. Très souvent, ce n'est pas le cas pour cette bouture malheureusement. À ce stade, les boutures présentent déjà un petit chevelu à la base, de fines racines, elles sont pratiquement reprises. Il reste à placer cette bouture à l'étouffer pendant 3 semaines, et nous aurons, à la fin de la saison, une plante avec un bulbe comme les autres plantes, et nous aurons pu ainsi multiplier les plus beaux de nos exemplaires. Quelque temps après avoir mis les plantes dans les pots, elles présentent l'aspect que vous voyez ici, elles se développent et s'individualisent, comme nous allons le voir, en dépotant la plante. Vous voyez un fin chevelu de racines qui se développe à la paroi du pot. Et sans attendre que ces racines fassent 3 fois le tour du pot, il est bon de rempoter la plante dans son pot définitif ou même dans un pot intermédiaire, ce que nous allons faire ici. On se réservera comme pot intermédiaire un pot de 15 cm tel que celui-ci ou parfois plus grand pour terminer par un pot allant jusqu'à 25 cm de diamètre pour les très gros tubercules. L'empotage est facile, on prend le pot, une poignée de terreau, un petit trou au milieu, la petite motte, et on comble, comme dans tous les rempotages, sans tasser exagérément, parce que n'oublions pas ici, dans le cas que nous avons sous les yeux, il s'agit d'un pot plastique, et l'aération de ce pot se fait uniquement par la surface et non par la paroi, comme cela se passe dans le cas d'un pot en terre. Opération délicate maintenant, il faut placer un tuteur en prévision du développement de la plante. Pour placer judicieusement un tuteur, il faut considérer que les fleurs chez les bégonias apparaissent toujours entre les pointes des feuilles. Donc le tuteur doit se mettre à l'opposé. Ce que nous allons faire, on tâte délicatement avec l'index si la proximité du tubercule et on introduit un tuteur de bon diamètre. Bon diamètre pourquoi? Parce que la plante sera très lourde dans son développement ultérieur et si le tuteur est trop mince, il ne tiendra pas dans le pot. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. L'opération est terminée. La plante va se développer, les racines vont gagner l'ensemble du pot et va grandir très rapidement. La croissance du bégonia est très rapide. Il conviendra d'attacher délicatement la tige au fur et à mesure de la croissance et ne pas laisser fleurir la plante avant que la tige ne soit au moins de la grosseur d'un index d'adulte. De cette manière, la plante aura à ce moment-là acquis les ressources suffisantes et on en sera récompensé par la dimension des fleurs. Thank you.
manière de produire des bégonias est évidemment le semis. C'est le procédé utilisé par les producteurs gantois qui assure ainsi chaque année la production de 60 à 80 millions de tubercules, ce qui incidemment fait vivre 650 familles. Ce procédé est évidemment nettement plus délicat que la culture à partir de tubercules, mais j'estime qu'un amateur relativement soigneux peut réussir valablement les semis. C'est ce que nous allons maintenant vous montrer. Pour réussir ces semis, il est essentiel de procéder à toutes les opérations de manipulation en milieu aseptique, c'est-à-dire qu'on devra désinfecter si nécessaire, au formol, l'environnement dans lequel les plantes seront cultivées, et n'utiliser que du matériel stérile. Cette stérilité du matériel est facile à acquérir si l'on n'utilise aucun pot en terre cuite ou caisset en bois qui sont poreux et dans les pores desquels vont se loger les micro-organismes qui détruisent les jeunes plantules de bégonia. Vous avez ici quelques exemples de ce matériel qui n'est absolument pas poreux et est spontanément stérile. Des caissettes en aluminium qui étaient d'anciennes terrines de boucher, pâté de boucher, des pots en plastique neufs ou noix nettoyés, une réglette en plastique, vous en verrez l'utilisation tout à l'heure, des étiquettes en plastique. Donc tout est absolument stérile au départ. Autre point extrêmement important, c'est le substrat. Dans les traités d'horticulture, on est généralement très vague au sujet des substrats que l'on peut utiliser pour la culture des bégonias. Et sous le vocable terre de bruyère, vous trouvez dans le commerce à peu près n'importe quoi qui n'est absolument pas recommandable pour les cultures sérieuses de bégonias. Les producteurs gantois utilisent la tourbe pure pour semer le bégonia et assurer ainsi le premier mois de végétation des petites plantes. Personnellement, je vous recommanderais d'utiliser pour le semis un substrat stérile, mais dont la stérilisation ne doit pas être réalisée par l'amateur. Et un exemple de ce substrat stérile est ce qu'il est couramment vendu sous plusieurs marques, sous le nom de TKS1, Torf Culture Substrat, dénomination allemande pour substrat à base de tourbe. 1 désigne la quantité d'engrais qui se trouve dans ce mélange synthétique de tourbe blonde et d'engrais minéraux. Bon, tous les amateurs à qui nous avons recommandé ce substrat se sont trouvés extrêmement bien. Nous allons voir maintenant comment préparer une terrine. Ici, nous prenons un substrat tel qu'il se trouve dans le sac reçu du fournisseur. Ceci est un autre substrat à base de tourbe et nous le tamisons finement. Par-dessus le tamis reste bien entendu les gros morceaux, mais nous n'avons pas besoin d'effectuer une séparation totale, puisque les gros morceaux, nous les plaçons dans le fond de la terrine. Et jusqu'à environ 1 cm du bord. Tassez très 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 légèrement pour avoir une perméabilité maximum. Et ensuite, nous prenons la partie fine. Ici, il s'agit d'un tamis à maille d'environ 3 mm. Il faut un peu de patience pour produire cette quantité de tourbe fine, mais ça n'arrive qu'une fois par an, ce n'est pas bien grave. Alors ici, prenez la terrine. Saupoudrez le mélange. Égaliser sans pression, et puis prendre la petite réglette en plastique et égaliser sans tasser, comme quand on fait du béton. Donc nous avons ainsi assuré une porosité maximale de la couche superficielle de la terrine. Maintenant, il est essentiel de tremper, d'imprégner d'eau aussi profondément que possible cette terrine. Voilà, et cette opération est effectuée à plusieurs reprises, dans 10 minutes,
on recommence la même imprégnation d'eau jusqu'à ce que l'eau coule par les trous inférieurs. La graine de bégonia est extrêmement fine. Un gramme de graine contient entre 25 000 et 70 000 graines. Et pour vous donner une idée de l'échelle, une allumette. C'est ça que nous allons devoir semer. Pour ce faire, on peut prendre la graine et la semer directement, mais généralement, étant donné sa finesse, on ne parvient pas à bien la disperser à la surface du sol. C'est pourquoi nous utiliserons ici une petite astuce. Nous ajouterons à la graine un peu de poudre hormonisée, dont le rôle sera double. D'une part, enrober la graine et aider à sa dispersion, et d'autre part, avoir un léger effet bénéfique lors de la germination et de la protection de la plante. Voilà, une petite pointe de poudre hormonisée, juste de quoi enrober les graines. Après quoi, nous secouons pour uniformiser. Et maintenant, nous allons procéder au semis proprement dit. Vous avez remarqué que nous avons fait une belle petite étiquette sur un petit carré en plastique. Et voici, les quelques graines qui sont là-bas vont être répandues sur une terrine qui fait à peu près 2 décimètres carrés ici. L'opération est un peu délicate, demande un peu de dextérité. Celui qui n'est pas habitué peut en plus diluer les graines par une quantité multiple, une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, de sable stérilisé par calcination. Et alors à ce moment-là, on essaye de répartir ces graines bien uniformément. Ce sont des graines foncées, on ne les voit pas tomber. Un autre truc consiste à utiliser une carte, telle que celle que vous avez vue tout à l'heure, pour répartir ces graines. Et on essaie d'en mettre un peu à la fois et de repasser plusieurs fois à la même place. La quantité de graines que vous m'avez vu manipuler ici représente à peu près 400-500 graines. Voilà, c'est terminé. Après ceci, il reste à s'assurer que la petite caissette est bien arrosée. Si ce n'est pas le cas, on va immerger la base dans l'eau de manière à ce qu'elle s'imbibe d'eau jusqu'au sommet. Ou, ce que l'on peut faire également, coller les graines par un fin jet de pulvérisation brouillard, mais placé à bonne hauteur pour que le souffle du pulvérisateur ne chasse pas les graines. C'est terminé. Maintenant, il reste à placer ces graines dans une atmosphère confinée et pendant un mois à 22-23 degrés et plus ou moins à l'étouffer, mais avec une certaine aération, les petites plantules vont se développer. Procéder au premier piquage des bégonias tubéreux. Celui-ci s'effectue lorsque les plantules ont environ un mois et sont munies d'une feuille en plus des deux cotylédons. Si l'on attend davantage, l'enracinement sera trop développé et le transfert des plantes ainsi que le repiquage lui-même seront trop malaisés. Si l'on part plus tôt, les plantes seront tellement petites qu'on ne saura pas les manipuler. La première opération, quand on repique des plantes en grande série, c'est de faire des trous à un espacement de 2 cm dans nos caissettes. Pour ce faire, nous avons monté un petit dispositif basé sur le système bien connu de la planche de fakir. Et cette planche de fakir, nous la retournons tout simplement sur la caissette. Nous l'enfonçons, secouez un peu. Enlever, et voilà, sans trou, qu'il n'y a plus qu'à remplir avec des plants de bégonia. Comment faire? Pour ce faire, nous avons une petite fourche, ici, très mignonne, et avec laquelle nous soulevons les plantes. Alors, comment faisons-nous? Nous introduisons la petite fourche en dessous de la plante, nous soulevons, voilà la plantule avec sa petite racine, nous transférons dans le trou, et avec le bout d'un petit plantoir en bois dur, nous affermissons.
Recommençons l'opération. Il n'est bien entendu pas indiqué d'avoir la tremblotte au moment où on a décidé de repiquer ces bégonias. Un opérateur exercé parvient à repiquer ainsi quelques 500 plants à l'heure, et les professionnels bien davantage. Un mois après le semis que voici, nous nous trouvons dans ce stade, une petite terrine prête à repiquer, nous la repiquons, et un mois après, voici l'état des plantules. À ce stade, un nouveau repiquage est nécessaire pour éviter que les plantes ne filent. De 2 cm de distance, nous passons à 5 cm d'écartement, et un nouveau mois, soit 3 mois après la date du semis, un nouveau repiquage est nécessaire. Cette fois-ci, ce repiquage se fera à 7 à 10 cm, soit dans des grandes terrines, soit en couches. Et à partir de ces plantes, on effectuera le processus d'acclimatation à la température extérieure, tout comme dans le cas des plantes cultivées à partir de tubercules. C'est le secret de la réussite de la culture des bégonias, c'est un bon durcissement en fin de culture, avant plantation à l'extérieur, rappelons-le, généralement après les gelées, c'est-à-dire après le 15 mai. Vous remarquerez que l'aspect des plantes n'est pas celui du bégonia tubéreux. En effet, les jeunes plantes ont une morphologie différente de celle des plantes adultes obtenues directement à partir de tubercules. Donc ne pas se laisser dérouter par cette différence. Vous constaterez aussi que cette culture a été faite à la lumière fluorescente. Et la lumière fluorescente est un moyen très avantageux d'élever des petites plantes ne demandant pas trop de surface, et ce, afin d'éviter de chauffer une serre inutilement pendant de longs mois, c'est-à-dire à partir de Noël jusqu'à le mois de mars, par exemple, pour y tenir vraiment fort peu de choses. C'est fort avantageux et pas très coûteux, et même à la limite, l'énergie électrique qui est dépensée peut être même récupérée, puisque la chaleur qui n'est pas utilisée par les plantes est évacuée dans l'habitation. Pour un amateur, les graines, est-ce qu'on peut trouver des graines de bégonia? Les bons marchands grainetiers offrent les graines des principales variétés de bégonia tubéreux. Cependant, toutes les graines ne sont pas accessibles en Belgique et il faut une certaine initiation, bien entendu, pour avoir accès à des graines un peu extraordinaires. Mais, comme vous savez, il existe une société d'amateurs qui est la Société belge du bégonia, qui regroupe 150 mordus. Et au sein de cette société, nous distribuons des graines un peu spéciales et nous centralisons des commandes de graines un peu particulières. Donc l'amateur aurait intérêt à adhérer, si je puis dire, à ce groupe, non? L'amateur mordu, qui se sent capable de semer du bégonia tubéreux, je crois, a intérêt. Et pour être certain de son intérêt, je lui suggérerais de passer un examen de passage en semant d'abord des bégonia semper florens qui poussent beaucoup mieux et plus rapidement que les bégonia tubéreux.
Thank you.